Aperosons Warriors, cool. Deux équipes. Combien de All-Stars dans ces équipes euh, Tu sais que la réponse est de moins en moins évidente. Hein <laughs> non mais, tu vois, c'est important. Je vais sortir mes notes. Ah oui. Ah bah, ben, ils sont éliminés, les deux. Boum, allez. Ce Plac. sont les vacances. Ça dégage. Pétard, ce sont les vacances pour Phoenix et Golden State. Normalement, démarrer une vidéo par apéro Suns Warriors, ça devrait être une preview de finale de conférence. Malheureusement, non. Oui. C'est une preview de vacances à Cancun pour nos ça amis de Golden State et Phoenix. Ah oui. Ouais. Ah bah, la finale de conf que vous avez ratée, Suns Warriors. Et on va vous la raconter <laughs> tout de suite, évidemment. Euh, Installez-vous tranquillou Bilou. On continue ces petits débriefs de franchises qui ont été éliminées. Vous inquiétez pas, vous aurez peut-être droit à votre équipe. On fait surtout là l'actualité. Il y a beaucoup de choses. Avant ça, on ouvre bien grand ses oreilles. Vous le savez peut-être déjà. Si vous ne le savez pas, réveillez-vous, bordel. Ce mardi soir, là, là, cette nuit, dans la nuit de mardi à mercredi, rendez-vous à 1h30 du matin sur la chaîne Twitch de Trash Talk. On va vivre ensemble la loterie de la draft NBA 2023. Avec... On va savoir qui va être numéro 1 Victor yama. Qui va être numéro 1 On le saura tout à l'heure cette nuit. On a fait une vidéo complète peux ce lundi. Je veux dire que là il y a du y a du GM qui est comme ça, je te le dis moi. Et des fans, hein. moi j'en vois plein Et sur Twitter. Ça. Bastien, toi qui as le curse, est-ce que tu ouais. peux nous annoncer ça à Portland <laughs> s'il te plaît <laughs> Ah, Et Léonce ouais. veut ouais. Portland pour les fans des Blazers. C'est cadeau. Vous pouvez aller voir Léonce sur sur Twitter. Il répond assez rapidement. Ouais. Euh, il like, mais... <laughs> tout à fait. <laughs> Donc rendez-vous ce soir 1h30. C'est simple. Vous retenez 1h30 sur Twitch. On est bon. Euh, on va parler de Suns Warriors parce que Alex, on a deux équipes qui sont éliminées. Euh, ça y est, beaucoup de choses qui vont devoir se passer cet été quand même parce qu'on est sur des équipes qui avaient à la base quand même pour idée d'aller chercher un petit trophée en plus. Hein. Ah bah ouais, je te cache pas que c'était grave l'idée. Les Warriors sont champions en titre et les Suns avaient fait un gros euh, gros trade, un blockbuster trade à la deadline dans le but de se réouvrir une fenêtre de tir pour le titre qui semblait fermée, qui s'est peut-être réouverte, mais on n'est pas sûr et tout et tout. Ben voilà quoi. C'est un peu compliqué. Ouais, donc compliqué. Forcément on va devoir euh, parler de tout ça, mais avant, vous les connaissez, ils sont avec nous ici ou là dans les vidéos. Ce sont les poteaux de RhinoShield. Pour celles et ceux qui ont des téléphones de qualité et qui veulent les protéger, vous pouvez évidemment mettre une coque de téléphone. Alors Alex. Ça, c'est voilà, si tu perds en demi-conf. De ça c'est de la coque de perdant en demi de conf. Toi t'as de la coque Wenbanyama, toi non T'as pas de la, ouais, voilà, si de vous la voulez, coque. Si vous la coque de téléphone qui sera le téléphone de Wemby. Ouais. Allez-y, Alex, comment le sais-tu ça très joli, moi, les, les trucs un peu vintage là. Bien sûr. C'est euh, comment C'est un petit volume là. Je sais pas si vous trouvez ça sympa. Et alors oh je vais les mettre côte à côte, que je trouve ça rigolo. Vas-y, hein pète tout Nos le setup amis, de la table. <laughs> oh euh, non, mais regarde, mais non géré, ça tient tout, ça. tout seul. <laughs> c'est géré tranquille. Nos amis les Lakers qui, eux, sont en finale de conférence, Alex. Hein. Exactement, et qui sont là côte à côte avec leurs amis californiens des Warriors. Qu'est-ce que tu as d'autre Qu'est-ce que je t'ai filé J'ai du Spurs, ah oui. j'ai du Warriors ah oui, voilà. et j'ai du Old School Warriors. Voilà. Moi, j'ai du Boston, hein, tu vois, des trucs cools. C'est très solide, hein, tu vois, c'est c'est impeccable ça fonctionne pouvez, du tonnerre vous pouvez sortir euh, c'est tout terrain quoi les coques <laughs> de nos shields, c'est ça qui est bien vous pouvez sortir protégé ouais. <laughs> euh, si vous êtes curieux et curieuse comme d'hab et eh bien vous le savez il n'y a rien dans la descro et surtout et oui, et et oui. il y a un petit code trash talk sur les 48 prochaines heures. Il y a moins 10% sur votre prochaine commande Rhinoshield, Shield. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, à titre perso, j'ai du transparent tout simple. Parfois, je mixe avec du Atlanta ou du Spurs. Ça dépend bon, de mon mood. une petite coque noire euh, très sobre avec juste un petit logo Suns euh, en filigrane euh, très classe. Voilà. Tout à fait. Euh, voilà, c'est truc. Sobriété, quoi. Vous Ça fonctionne. Tou toujours sobriété, évidemment, et vacances, puisque les suns sont en bien oui. sûr. vacances. C'est un truc de loser, exactement. Là, <laughs> ben, je me mets au diapason des Warriors. Hein. Ah bah ouais, on hey. est bien obligé. Donc, n'hésitez pas à foncer. Nous, on va devoir parler de Golden State et de Phoenix maintenant. Car oui, désolé Steph, désolé Devin, désolé Kevin et désolé Clay. Vous êtes en vacances, obligé de regarder la finale de la conférence Ouest entre Denver et Los Angeles. Je te propose, Alex, de parler de Phoenix en premier. Parce que, merde, si je dis pas de bêtises. Toi et Simon, notamment dans l'apéro science-fiction, vous aviez les Suns champions. Ouais, champions. Donc en finale NBA, donc en finale de conf. Donc là, ça ah, s'arrête en manque de trois marches. Voilà ça, ça, ouais, <laughs> exactement. Tu vois, c'est ça le truc. C'est pas comme si ils venaient de perdre en finale. Tu vois Compliqué. Euh, et donc j'ai entamé un peu la, euh, tout à l'heure l'apéro juste avant le, le, le petit point promo. Je vous confirme euh, qu'avec ça, a entamé l'apéro. Ouais. Non mais j'ai entamé, ouais, entamé l'analyse. Euh, juste avant le petit point promo. Oui. Euh, en parlant de fenêtres de tir ratées ou pas ratées, on ne sait pas trop. C'est-à-dire qu'on a deux équipes qui viennent de perdre en demi de conf. Les, les, les problématiques sont pas tout à fait les mêmes. Il ah, y en a une qui était championne en titre, qui a pas fait une belle régulière du tout, qui a fait une régulière très irrégulière, ouais. qui a eu du mal à se séparer des Kings. Les Kings. Très bonne saison régulière, donc c'était logique, pas l'avantage du terrain et tout, mes qui dû avoir sept matchs avec des hauts et des bas et qui est tombé sur des Lakers qui eux aussi venaient d'un peu de loin, mais avec une meilleure dynamique, une bonne défense et finalement un peu plus de certitude, mm -hmm. et qui ont calmé les Warriors. Alors que les Suns, je dois l'avouer, j'ai beaucoup moins les boules que l'année dernière. Ah bah, impossible. Parce que même <laughs> si j'y croyais au fond de moi, et puis j'ai fait un peu le Homer, et j'y croyais parce que je me disais, ah les nuggets, si on les emmène à 2-2 à la maison. Euh, ou même avant de jouer le game 6, je me suis dit, oh, à la maison, on a été solide, on peut, on peut arracher un game 7. Et sur un game 7, t'as de Booker, t'as Durante, il peut se passer des choses et tu peux faire un exploit. Il n'y a pas eu d'exploit, et quelque part, c'est assez logique. C'est-à-dire que l'équipe qui joue le mieux au basketball, avec le meilleur fond de jeu, le plus d'options depuis le début de la saison régulière, a gagné la série. Tu vois, à un moment donné donc j'ai beaucoup moins le sum parce que par rapport aux Mavs l'année dernière j'ai l'impression que les Suns ont perdu contre une équipe qui a beaucoup mieux joué qu'eux ah j'avais pas du tout cette sensation contre les Mavs l'année dernière ah bien sûr maintenant il euh, y a quand même euh, attention, il hein, y a quand même un petit peu de, de papier de verre là, qui gratte hein, on va pas se mentir euh, je sais pas par où tu veux commencer. Bah en fait, moi, c'est juste le que... niveau de Kevin Durant, peut-être. Non, en fait, en soi, c'est que quand, quand on, a... jeune, hein, quand, même quand on, quand tout à fait, on va parler de plein de choses. Quand on a vu le trade avoir lieu en mi-saison, on essayait de débattre justement sur savoir si le niveau de profondeur. Oui. C'était un niveau d'incertitude et d'inquiétude sur cette profondeur d'effectif Moi, j'avais été à titre perso, et je pense qu'il y a suffisamment d'extraits sur cette chaîne, plutôt sur une vision long terme de ce trade parce que c'était certes très chouette d'imaginer pouvoir gagner le titre alors que tu viens de récupérer le, maître, le mec en février mais c'est maintenant pour moi que là ça, le, le projet va vraiment se dessiner c'est-à-dire tu as un nouveau propriétaire tu as cette sortie de play-off qui pouvait être, attente, être attendue c'est là là que le travail va être fait et d'ailleurs il a assez bien commencé on va en parler mais oui sur les playoffs tu peux tu peux te dire que Kevin Durant a été un peu moins au niveau que celui attendu ah oui quand même oui on peut le dire Très bien défendu par Aaron Gordon, très bien défendu par les Nuggets, pas de problème. Devin Booker a été exceptionnel. On est sur un KD qui nous a montré en sortie de Tendon d'Achille qu'il pouvait revenir au top, mais c'est pas non plus un gars qui est épargné par les blessures. On voit un Kevin Durant, si on n'arrête pas de parler de Chris Paul ou de Kawhi Leonard ou d'Anthony Davis par exemple avec des blessures annuelles, Kevin Durant a des blessures annuelles. Ouais, c'est pour ça quand tu parles du mot long terme, moi j'ai pas du tout envie d'associer les Suns à long terme. Quand je dis long moi, terme, c'est... terme, je... c'est un an, là. C'est l'année prochaine, quoi. Quand je veux dire long terme, c'est que juste ceux qui avaient la vision en février de « il faut impérativement qu'on fasse un truc là mmh. en juin » me semblaient erronés. Parce qu'en fait, tu sentais qu'il devait y avoir déjà de base des modifications au sein même de la profondeur de l'effectif mmh. puisqu'elle était trop courte. Donc c'est vrai que long terme... L'équilibre même. Tout, tout à fait. Même plus que la profondeur, même. Alors, moi, je te dis, je resterai là-dessus sur le truc de profondeur parce que ça s'est vu contre Denver et il y a aussi des histoires d'équilibre, mais... Ouais. Moi je pense que ça manque, en effet, le banc a complètement explosé, mais au-delà de ça.. Ah ouais, tu trouves Ah bah ouais, 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 ouais. ça n'a ouais. pas tenu. Vous avez, passer, euh, vous avez fait passer Bruce Brand, Jeff Green et Christian Brand pour euh, Michael, Ainge et, et ne ouais. Quand même, ils ont été... Enfin, le banc en tout cas, ce n'était pas une match-up. Et ça c'est chaud. Les cinq majeurs ont tenu, tête. Hormis, je veux dire, tu peux reparler de la blessure de Chris Paul, mais les cinq majeurs se regardent, à peu près, entre celui de Denver et celui de Phoenix. La production de Booker est telle... MKD, ok, il n'a pas été adroit, mais il a cherché tellement de lancer. Ça, ça m'allait, même Hayton ne fait pas non plus une série en 4 points 4 rebonds. Pas terrible, quand même. Mais c'est pas terrible, il est tout à fait dans le jeu. C'est pas ouf quand même. Hein. Tout à fait. Là où je ne suis pas étonné perso, c'est que c'est une sortie, comme tu l'as dit là, face à la meilleure équipe de la conférence Ouest qui a trop bien joué, donc totalement mérité. Là où je m'y attendais pas... Et je faudra que je retrouve, je crois que je te pose la question dans la série contre euh, Denver, ça va être la preview. C'est que je ne pensais pas que mon petit Williams allait se faire virer direct. Moi non plus. Moi non plus. Après, euh, quand tu regardes comment se comporte le nouveau proprio Matich Bia, depuis qu'il est là, l'autre il est arrivé, euh, il n'a pas hésité à monter direct un gros blockbuster il a sauté sur l'opportunité KD. Ouais. Donc il a. Il a, il a fait un gros blockbuster avec les, les avantages et les inconvénients que, que ça prône, enfin que ça amène. Euh, et là, il vire Monty direct. Je pense que Monty subit deux choses. Il, il subit deux choses. La première, il subit le côté nouveau proprio Très sûr de lui, homme d'affaires, euh, qui aime le basket certainement, mais qui n'a pas beaucoup d'expérience en tant que dirigeant de franchise. Il a joué un peu, MBA. mais il n'a pas dirigé une franchise. Ouais, c'est hein. quand même pas la même chose. Non, et donc, faudrait faire attention parce qu'être ambitieux et entreprenant, c'est bien, mais attention à la précipitation, attention à bien respecter les équilibres de l'organisation dont tu es devenu le propriétaire. Marc Cuban. Exactement, on me fait penser à Marc Cuban complètement ou parfois un peu à balmeur aussi moins excité et tout mais tu sais qui arrive et qui dit oh les gars moi je sais ce que c'est le business oh, oh allez on y va on cut des têtes et Monty subit ça c'est le premier truc qui subit le deuxième truc qui subit et il ne faut pas l'oublier d'ailleurs ça s'est vu euh, chez les fans des Suns. les gens sont déçus parce qu'ils aiment bien Monty Williams mais t'es obligé de reconnaître que ça fait deux bons gros échecs bien oui. cuisants oui. et en plus l'année dernière contre les pélicans les Suns n'ont pas été convaincus, convaincants pardon et en plus derrière ils se font fumer dans un game seven absolument lamentable à la maison cette année face à des Clippers très diminués pas de Paul George très vite pas de Kawhi ils ont galéré ouais. ça a été difficile ça, ils ont fait un le point, boulot hein. mais tu vois ça a été compliqué ils ont encaissé plein de points et tout et là toi tu parles de profondeur, moi je trouve que Monty il a beaucoup essayé de trucs, il a beaucoup tâtonné. Alors oui, c'est difficile, on lui a changé euh, plein de joueurs en février. Donc ça je ne le nie pas, mais je pense qu'il paye Monty aussi le côté où à un moment, Matt Ishbia, il a dû voir, il a dû aller voir James Jones. James Jones, je pense qu'il avait envie de garder Monty Williams parce que c'est son gars, il l'a fait venir et tout. Sauf que il lui a dit "Attends, Vas-y, justifie-moi que vraiment t'es sûr qu'avec ce coach-là on peut aller. Il a le niveau pour aller nous emmener prendre un titre. On était à deux matchs, d'en prendre un en 2021. Ouais, mais il menait de zéro, et il l'a pas gagné. Non mais attends, je dis pas que c'est de sa faute. Je te dis que c'est ça aussi la, le, la cruauté de ce monde de sport de haut niveau. Et d'ailleurs, à mon avis. Monty Williams n'est que le premier fusible que Ishbia et Jones vont sûr. activer cet été bien parce, sûr, je parce que, que, que je ne même. pense moi ce que je pense c'est que si Monty s'est fait virer là c'est parce que Ishbia il a dit à James Hunt déjà un c'est toi ou lui il y a des chances que James Jones, je pense qu'il est en galère aussi. Hein. James Jones, je pense que HBI lui a dit attends, t'as vu les choix de merde que t'as fait avant, t'as vu certaines de tes drafts, t'as as vu, tu vois, je pense qu'il a dû un peu. Enfin, on voit bien, il doit être un peu comme ça. Et donc, je pense qu'il y a un moment où le nouveau proprio, il se dit attends, ok, peut-être je vais garder mon GM parce qu'il a la confiance des joueurs, des machins, et il connaît toute la ligue et tout. Par contre, on va virer le coach et recruter des nouveaux joueurs avec un nouveau coach autour du duo Booker Cady. Moi, je pense non, que je... c'est ça le programme. Je, je, je et entends. que Monty, il subit en bout de chaîne, entre guillemets, tout ça. Bah, et moi, je suis un peu mitigé là-dessus. C'est-à-dire que j'étais pas du tout. Yes, ouais, fallait virer Monty Williams. J'étais pas du tout comme ça, moi, entre guillemets. Hein. Bah, pareil, moi, quand j'ai vu. En fait, quand j'ai vu la news. T'étais surpris, surpris, ou étais... tu trouves ça pas juste J'étais pas surpris parce que ça avait été mentionné que pendant tout le... tous les playoffs, euh, dès que je faisais le listing des coachs qui peuvent être potentiellement virés, il y avait des. Poto Fan des Suns français qui disait tu devrais peut-être penser à Monty Williams et moi j'étais attends quand même et tout donc j'ai été pas surpris mais j'ai été surpris en fait de plusieurs choses un comme tu le dis Ishbia met forcément l'impression et il sure. y a aucun sûr. Et tout à fait il y a aucun univers dans lequel ce renvoi n'est pas fait sans l'approbation des stars ah bah c'est impossible tu peux pas. Booker a dit oui. Impossible. Donc quelque part, c'est-à-dire ou que alors il Booker... bien, c'est vraiment un malade, quoi. Non, non, je pense pas. En effet, je pense que Booker et même dans une certaine mesure, Kelly. Ou pourtant, on avait rapproché la relation mais... parce que Kelly ouais. disait Phoenix parce que Monty Williams ok, ici, si, les années, etc. On va ouais, voir. Bon, il aimait Steve Nash aussi, Kelly. Hein. Tout à fait. Non, mais <laughs> ça va très très vite. Il y a pas de problème là-dessus. Donc moi, le, le seul truc qui m'embête, c'est j'espère pour vous. Que vous avez prévu un, un coach nettement vous, meilleur. Les Suns, hein. Oh tout à fait. J'espère pour vous, vous pas, Alex. Hein. J'espère pour toi, Alex. <laughs> Et pour vous, les Suns, que vous avez prévu euh, quelque chose de nettement meilleur. Parce que virer un coach, c'est une chose, mais tu peux pas juste virer pour virer. Faut virer pour upgrade. Faut virer pour prendre un mec qui est meilleur. Ah, mais ouais, Alors il y a des rumeurs sûr, dans tous les sens, ça, formidable. Ça. Mais ah, j'ai vu il a... les rumeurs. Tyrone Lue, Nick Nurse, Budenholzer. Enfin on a vu les rumeurs, hein, bien sûr. Hein. Donc moi quelque part, je comprends certains choix qui ont été faits, qui n'étaient pas très bons par Monty Williams mais à titre perso j'ai très hâte de voir le dossier Monty Williams qui est du coup mentionné partout là à Toronto ils sont en train de se demander s'ils ouais. si vont le récupérer si les vont les récupérer. parce que on peut dire ce qu'on veut mais il a fait du bon y a travail. une finale NBA il, il a y a une saison bon régulière travail. où vous êtes une équipe incroyable où il y a un vrai bug sur une série contre Dallas ah, le, les playoffs entiers ils sont pas bons tout à, fait. tout à fait en fait les playoffs dans l'ensemble euh, de Monty Williams dans la difficulté il n'a pas été bon, c'est indéniable, il n'a pas été tactiquement bon. Hein Peut-être que par moment il n'avait pas les, les, les joueurs qu'il fallait tout, je, je suis prêt à l'entendre. Mais euh, vu le profil du nouveau proprio, malheureusement, ça ne me surprend pas. Maintenant, j'avoue, je ne suis pas hyper à l'aise avec euh, ce licenciement. Je ne suis pas hyper à l'aise, un, parce que tu... Par, à cause de ce que tu viens de dire, qu'effectivement, il bah, va falloir trouver mieux. Et, et que... Euh, mieux quoi, on, que, euh, Attention, hein. Ça ne va pas être si simple que ça. Et que surtout, genre... Euh, en et fait, on n'a peut-être ouais. pas tous les éléments, peut-être aussi que, comme tu le dis, les stars ont certainement validé... Je ne pas dans un truc de Players Coach, hein. Attention, hein. Attention, hein. Parce que tu vois, par exemple... S'il y en a bien un qui, aujourd'hui, en tout cas au moment où on tourne cette vidéo, est en vacances, mais qui est passé par un truc comme ça, et j'ai trouvé qu'ils ont été bons sous la pression. Quand les Bucks se tapent Toronto et qu ils se font malmener en 2019, quand ils vont dans la bulle et qu'ils se tapent le mur Miami, ouais. Bunholzer, il a les miquettes. Ouais. Ils le gardent. Ils essayent de donner un dernier effort avec ce mec, de se dire on va tenter, on va mettre les dernières pièces qu'il mmh. faut, et c'est pas le coach le fusible. Il y a eu d'autres choix qui ont été faits. Ils ont dit attends, attends, attends. On va, on va faire un choix réel, on va hypothéquer notre avenir, on va prendre l'idée. Ouais, ils ont fait le trade et ils ont conservé. Hein. Et c'est ça qui me fait peur avec ce choix c'est qu'en fait, si vous gagnez le titre l'année prochaine et qu'il y a des bons choix autour, très bien. <laughs> mais je n'aurais pas, en tout cas, dans la liste des choses que j'aurais fait en sortie des fêtes, j'aurais pas du tout en numéro 1 viré Monty Williams. Moi non plus. Bon, on est d'accord là-dessus. Non, mais moi non plus. Hein. Mais, mais en, encore une fois, je te dis, je pense qu'il subit, comme je t'ai expliqué, les conséquences de plein de phénomènes. Attention jour il y a cette prochaine. sortie de route dégueulasse contre les Mavs. Il y a un nouveau proprio qui arrive. Il y a Chris Paul qui se blesse encore. Et il y a une autre sortie de route. Ok, Denver était plus fort. Mm -hmm. Mais on ne peut pas dire que les Suns S'est convaincu grand monde là en playoff et tout. On a parlé de profondeur, on a parlé de ses ajustements. Moi j'ai trouvé qu'il avait essayé, Monty Williams, de faire quelques ajustements. Il y en a que je ne valide pas autour de Landry Chamette. Il y en a d'autres que je validais déjà un peu plus, tu vois, voilà. Après, chacun a son truc, mais je pense qu'il subit tout ça, mais je suis prêt à te rejoindre sur le fait que... Putain. En tout cas, wow. clairement, moi, j'aurais pas du tout commencé par virer Monty Williams. En revanche, en tant que dirigeant, je peux comprendre qu'un dirigeant ne se lance pas dans des changements de joueurs. S'il a l'intention de potentiellement virer le coach, il se dit, bah, vaut mieux que je vire le coach tout de suite, comme ça, avec mon futur coach, je discute non, les oui, futurs je... joueurs. Tout à fait. Non, mais le... ça, ça a du sens. Bien aussi. Sûr, bien sûr, bien sûr. C'est euh... juste le flou sportif qu'on n'a pas et qui peut-être ne se ressortira jamais, qui était, est-ce que dans l'ordre, HBA a été dictatorial et a dit, non mais moi ça, je le ressens, et je suis désolé, mais vraiment, je ne sens pas ce gars, je veux ce coach, soit parce que... Pot Pot etc là j'ai vu des Frank Isola qui parlaient de Isaiah Thomas et tout le monde ouais, j'ai tellement lol, peur pour nous bon oh, on va voir euh, ou, ou sinon non mais tu vois Isaiah Thomas même Léon s'y se marre il parlait pas de lui en coach hein. il parlait de lui en pour, euh, pour, le, pour, le, pour le dans le dans le staff dans le front office aussi alors ils en ont parlé en février de front office ils ont parlé de coaching en mars donc en, en, en mai là donc euh, attention ils sont très très pot les deux donc j'ai très peur parce qu'il y a moins d'un mois allez voir l'épisode Jamal Crawford de Partout à Particulier il y a un cinq minutes de Alex qui parle des Knicks d'Isaiah Thomas bah, euh, c'est l'horreur c'est l'horreur LJM, hein, il n'était pas coach. Il a été les deux, mais, euh, mais c'est vrai que moi le flou qu'il y a, c'est est-ce que c'est un truc qui s'est passé de manière dictatoriale ou c'est ok James Jones en effet qui est questionné ou alors Kady et, et devin est-ce que vous pensez est-ce que c'est est-ce que c'est entre guillemets pas démocratique tu vois mais est-ce qu'il y a une vraie discussion qui a eu lieu avec ces stars pour se dire ok il faut autre chose et là, on n'a on a, on a, on a pas, pas eu les résultats qu'on voulait, on n'a pas eu le jeu qu'on voulait. Auquel cas, j'ai très très hâte de voir le nouvel entraîneur qui va débarquer, quels que soient les ajustements. Parce que s'il y a bien une équipe qui a fait finale NBA, meilleur bilan de saison régulière, et qui nous a montré qu'elle pouvait formidablement jouer de côté, deux côtés du terrain en formant des jeunes, parce que Monty Williams, on peut parler de ce qu'on veut, mais oui, quand même oui, Michael Bridges, Cam Johnson et tout, c'est des évolutions assez intéressantes. Moi, dans l'ordre, j'aurais fait attends, déjà, Ishbia, genre s'il était à table et qu'il m'avait dit on commence par quoi, je fais gars. Euh, Chris Paul, euh, Chris Paul et DeAndre Ayton, on, bah, on, ouais. on est où là bah, Bien sûr. Et donc, ce que je veux te as dire. T'as pas un Big 3 déjà, t'as pas un Big 3, t'as un non. Big 2 et autour de ça, t'essaies de savoir. Ce que je veux te dire, c'est que je pense que de là est née l'option de virer Monty Williams, les déceptions de playoffs consécutives hein. et les envies de changement de joueur où on sait que Chris Paul et Monty Williams, ils sont un peu comme ça et que et que y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi qu pas il, la gestion du caïtan était compliquée de la part de monty williams tout à fait. je pense que tout ça a joué mais je suis d'accord avec toi sur le fait que pourquoi là tout de suite se précipiter à virer monty williams pour moi pour moi c'est que ils ont quelques pistes de coach ils ont un comme ils ont un duo de stars et qu'ils ont fait des résultats je pense que c'est une destination assez attirante pour un coach oui. Potentiellement, tu vois ouais. ce que je veux dire? Ah c'est bah, un challenge avec Devin et, ah, et c est c est sérieux. Et puis euh, il y a un staff qui va dire: T'inquiète, on va recruter, on va te ouais. mettre des gars autour. Et donc ils veulent le coach et ensuite recruter. Ouais. Je pense que moi, c'est le seul moyen d'expliquer. Parce que sinon, tu avais tout à fait la possibilité de dire: euh, Excuse-moi, team mais juste on va dégager Chris Wall. Ayton, ouais. euh, de toute façon, tu peux plus le blairer, donc tu vas pas nous saouler, on va essayer de le trader. Et on va construire avec toi autour de Katie et Booker. Ouais. Tu pouvais faire ça. C'est vrai. Tout à fait. Résultat là pour cet été, qui a déjà commencé, en fait bienvenue, vous êtes en été au mois de mai. Ah bah ouais. euh, tu as, sûr et certain l'année prochaine, Katie et Booker sous contrat, 47 et 36 millions. Mm -hmm. Tu as DeAndre Eaton 32 millions. Ouais. Tu as Chris Paul qui a 31 millions, partiellement garanti. Ouais, moitié, moitié garanti. Ouais. Tu as Landry Chamet qui a 10 millions, puisque vous l'avez prolongé pour 40 millions sur 4 ans. Ouais. Et Cameron Payne qui est semi garanti à 6,5 millions et un petit Shwen White, c'est une team option à 2 millions. Le reste, ça va être du taf. Donc là, James Jones, j'espère qu'il a les oreilles bien, bien nettoyées parce qu'il va avoir Ishbia qui va être dans l'oreille droite, Kady Booker dans l'oreille gauche, et il va devoir nous entourer cette équipe, ce, ce duo avec des mecs qui doivent aller loin. Tu commences par quoi Tu fais Chris et, Paul ou Aiton, et Je tu commence par avoir un projet, c'est-à-dire que est-ce que quel type de meneur tu veux autour du duo Booker kd Quel type de pivot tu veux Mario Chalmers et un Il vous faut des gars, enfin en tout cas, tu il faut vois, pas des gars dominants, je pense. Non, mais donc du coup. T'as toute une réflexion parce que si Petrie, c'est quoi sa valeur réellement sur le marché des trades Là, même si son contrat n'est pas garanti à 100%, franchement, c'est pas ouf. Il est vieux, ça commence à être compliqué. Bah c'est la fin de la fin de l'ère roquette, quoi. La fin de l'ère roquette, euh, ils se sont dit, bon, attends, qu'est-ce qu'on peut essayer d'avoir en échange d'eux avec OKC notamment Tu vois C'est pas simple. Hein Ensuite, Ayton. Ayton a une valeur. Oui. Il est jeune, mmh. il a encore du potentiel à exploiter. Des équipes pourraient se dire Attends, Phoenix, ils n'ont pas du tout su le gérer ni rien. Nous, on va en faire un vrai joueur. Mmh. Et il a un contrat qui est un contrat d'extension max de rookie relativement classique. Contrat classique sur lequel il y avait quand même marqué en post-it. À la base, on ne voulait pas, mais on a été obligé de matcher. Exactement. Tout à fait. Donc, c'était un colis en attente de départ. Donc, je ne pense pas qu'ils auront une plus-value de ouf en, en échange. Euh, une plus-value. Une contrepartie de ouf en échange des tonnes, mais tu peux en avoir euh, quelque chose de correct quand même. Mm -hmm. Mais sinon, tu as quoi, surtout, comme assets pour faire des trades bah, J'ai envie de dire, tu les as mis dans le trade de Kelly. <laughs> mais c'est ça. Sorry. Donc, les autres, ce sont des joueurs qui n'ont plus de contrat. Certains, si tu as envie de les garder, je pense qu'ils resigneront chez toi au minimum VET ou des gars comme ça, tu vois. Torrey et Craig ou. Ou peut-être Bismay euh, ou Bismack ou tu, vois, tu, tu, tu peux garder des mecs comme ça, euh, voilà. Mais donc la vraie question, c'est comment tu construis ton 5 majeur si tant est que tu ne veuilles pas garder ni Chris Paul, ni Ayton, comment tu fais en fait Bah, Qu'est-ce que tu vas chercher Quel genre de trade tu montes Est-ce que tu retournes voir l'épaisseur, ce qui voulaient Ayton Tu leur dis, bon les gars, vous allez avoir Nyama, de toute façon. Donc vous pouvez nous filer Miles Turner et je ne sais quel autre joueur, ah ouais. tu vois Oui, euh, il... non je sais pas. Hein, tout à veux... fait, il te faut déjà, ça a fonctionné comme ça avec KD, ça a fonctionné comme ça avec KD okay, si ça a fonctionné comme ça avec KD Golden State, ça a même fonctionné comme ça avec KD Brooklyn, même s'il n'y a pas eu des bagues tout, tous les ans, mais ça ne sert à rien d'avoir un pivot dominant, il te faut un pivot de devoir, les Kevin Lunell, les Steven Adams, les mecs qui vont faire le travail que lui ne va pas faire parce que c'est pas son registre. C'est pas son rôle. Hein. Tout à fait. Donc il faut un Bismack plus plus parce que Bismack n'est pas titulaire oh. en actuel. <laughs> Merci. En meneur, moi ça me dérange pas d'avoir des meneurs type gestionnaire, c'est-à-dire euh, comme. 3ND, un trendy, un trendy de la main quoi. C'est-à-dire que quand Miami est allé chercher Kylerrie, tu l'as mauvaise parce que c'est ce que c'est ce que tu voulais. Ouais ben bah, il le paye cher. Tout à fait. J'aimerais bien Kylerrie en moins cher. Et on va faire une preview Genre, euh, tu vois, les avec Mike Conley, une chose comme ça, tu vois. Mais il est sur deux jambes, Mais Miami est en finale de conf. Donc ils essaient de voir aussi quels sont les dossiers qui fonctionnent, fonctionnent pas, en fonction des meneurs qui sont plus ou moins vieux, retraités. Il te faut un gars d'expérience. Tu peux pas avoir un meneur gamin. Il te faut un meneur d'expérience. Vous avez été sur la piste Van Fleet pendant un moment Ouais. Ouais Allez-y. Ouais, pourquoi Allez-y, allez-y. Ouais. Ah bah dans tous les cas, il te faut une troisième menace balle en main. Ouais. Parce que ça va pas être Cameron Payne. Bah si, mais en sortie de banc c'est pas un titulaire, pour ouais, ouais. Même s'il a fait un gros game 6, on a vu contre les nuggets, il est capable de temps en temps, mais c'est de temps en temps le problème. Moi, je démarre par le dossier... Ouf, par quel dossier, putain, par quel dossier on démarre Ayton, tout de suite C'est ta plus grosse valeur, tu vois ce que tu peux en obtenir. Tu démarres par le dossier Ayton, comme ça le soir de la draft, t'as peut-être quelque chose là qui peut se découpiller. Sur la draft ou juste après sais juste quand ça commence à frémir, là, avant la free Agency. Un vrai... Junkyard Dog sur les ailes, là. Un mec, le Danny Green. Là. Le oui. mec qui va faire tout le taf que ni Booker ni Kelly n'ont pas envie de faire. Ah le Jake Wilder que qu'ils ont décidé de mettre au frigo avant la saison, on n'a jamais trop compris pourquoi. Et lui n'a jamais trop compris pourquoi, est-ce qu'il a été pris par les Bugs. <laughs> Allez le rechercher, dites lui rien tout a changé. Et les Bucks c'est pareil, ils l'ont pris, ils l ah ouais, ils l'ont pas fait jouer, non mais je suis d'accord. Bizarre. Bizarre. il va faire ça, mais de toutes les nouvelles que j'attends le plus... Franchement, je te dis, c'est même pas le... Oui, évidemment, ce sera sismique de voir du transfert de Hayton et Chris Paul. Mais je crois que la news que j'attends le plus, c'est... Euh, nouveau Est-ce qu'elle a été de Quickly, C'est nouveau coach. Parce que si on est dans du euh, copain-copinage... Bah, Tyronn Lowe, hein. Là, ça parle beaucoup de Tyronn Lowe. tyron Lowe qui ne serait pas satisfait euh, de ce qui se passe aux Clippers, qui, qui apparemment... J'ai vu, apparemment, genre, il est pas satisfait de la gestion des blessures et tout. Enfin, c'est des rumeurs, hein, ouais. mais... Ah, écoute j'ai l'impression qu'il va prolonger. Ouais, peut-être qu'il va prolonger. S'il si est dispo, c'est trop bien. Mais euh... je sais pas. C'est trop bien, vraiment. Ouais. Pour les Suns. Ouais. Je suis pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Bon, en tout cas, j'espère que sur le sur le marché, sur les autres coachs dispo, ouais. c'est compliqué, quoi. Tu es Frank Vogel Non. Pourquoi pas hein mmh. Expérience. The de Donald pas pour moi, il est parti sur une année sabbatique. Je pense. Il, il a besoin manquets. de souffler. Mmh. Pré-Reski, Nick Nurse. Nick Nurse, il a laissé Toronto dans un état un peu compliqué j'ai l'impression. On parle Nick Nurse. Euh... Après tactiquement il a montré des choses intéressantes, Nick Nurse, et puis il a, été, oui. il a emmené une équipe au bout. Je ne on crois... peut dire ce qu'on veut mais il était là. Je ne crois pas que des quatre équipes qui sont en cours, il y en a un qui soit particulièrement menacé. Par un moment on a eu peur pour Mike Malone mais je pense que c'est safe. T'as pas un des quatre là qui va Mike disparaître. Malone, il est en finale de conf, là, oui, ça va être compliqué, pour ça, Avant les playoffs il y avait un petit peu de tension Mike Malone, mais là ça va, je crois. Donc, non, non, après, il va falloir. Euh, tu aimes pas Malik d'Anthony Tu veux pas le retour de MDA à Phoenix C'est bien là Vous marquez que 800 points par match Phoenix, attention moi drôle, Tout ouais. à fait, moi j'ai dit ah bah, ça c'est sûr. J'ai dit à Alex, au moment où on démarrait la vidéo, l'objectif c'est qu'on se retrouve dans 6 mois avec la ligne de base de que on fasse 30 privés en 30 jours, coup d'œil dans le rétro, de des... euh, pas, le marché de l'été des Suns. On parlait tout de suite le marché de l'été qu'on ait des belles choses à raconter oui, qu'on oui. ait des vrais trucs à raconter ouais des vrais trucs parce qu'en fait moi je doute pas du tout que le duo <laughs> <Des> Ishbia <laughs> Ishbia <laughs> Ish ah, du, James mais Jones en coach pas c'est sûr ça va bouger Ishbia c'est ouais. c'est c'est pas du tout le mec qui va pas bouger quoi t'sais. bah non euh, la preuve oui hein. c'est un fou quoi. même quand il y a un ballon qui traîne il bouge et non, mais tu vois c'est <laughs> un fou c'est un fou donc c'est sûr maintenant bouger pour faire quoi moi je suis pas hyper serein hein. toute façon euh, ouais t'es je... pas trop serein c'est un peu la j'ai pas kiffé du tout les playoffs des Suns pour la deuxième année de suite Ouais. Enfin, euh, pas du tout, je suis vache. Mais euh, j'ai pas. Voilà. Bon, t'as pas, euh, pas pris ton pied, quoi. Non, et puis le fond de jeu, c'est aussi pour ça que, après, c'est difficile de l'extérieur de savoir d'où viennent réellement les problèmes. Est-ce que c'est Monty qui a pas utilisé ce qu'il avait dans les mains Est-ce qu'il y avait trop d'ISO Est-ce que c'est les joueurs qui forcent pour avoir de l'ISO Est-ce que tu vois Genre, euh, parce que je suis d'accord, moi, un fond de jeu, ça se construit pas comme ça en six semaines. Hein, donc, euh, j'entends, en plus, Katie, il est arrivé, il s'est d'abord blessé. Tu vois, ouais. c'est pas comme si KD avait joué les deux mois pleins de fin de saison régulière. En plus, c'est blessé, donc Monty, bah, qu'est-ce que qu c'est pas si simple. Donc euh, tout ça, c'est décevant. Maintenant, je suis, ouais, je suis sur le cas Monty, je suis mitigé. Sur le cas des joueurs, je suis assez optimiste. Je pense qu'avec Ayton, Chris Paul, euh, il y a moyen de bricoler et d'attirer des mecs au minimum vêtements qui vont venir et de faire un trade à peu près potable autour d'Ayton. et donc de se retrouver dans quelques mois là en octobre avec une équipe des Suns où on se dit ok euh, bon ils en ont chié mais euh, dis donc ils sont quand même ils vont être relous à jouer quoi tu vois je pense je sais que c'est un peu refaire l'histoire mais euh, je peux pas m'empêcher de penser que j'aurais bien aimé voir euh, ces playoffs avec l'équipe avant trade de Kenny oui oui, et malheureusement, c'est refaire l'histoire, mais ouais, on ne savait pas pour Michael, pour Cam Johnson. Mais ce... Après, cette équipe, elle n'a pas été très bonne l'année dernière. En non, mais off. putain, vous démarrez bien la saison. C'est ça qui me fait chier. C'est qu'en novembre, on dit genre, oh, putain, les ça, les ça, ça qui redém... se place, hein, bien sûr. Tout à fait, mais je veux dire, ce groupe-là oui. repartait mais, de mais, oh, plus belle. d'accord. Mais par contre, il avait pas fait de bon playoff Le même groupe. Avec Crowder, avec ouais, Bridges. Ça arrive, ça arrive. Non, mais ça arrive deux séries quand même. Ah, bah, qui les étaient pas belles. Ils sont passés par là et puis ils ont eu le titre. Enfin, c'est. Comment Les bugs sont passés non, non, par... Non, je règle. te parle de l'année dernière, moi. Oui, tout à fait, mais les bugs sont passés par un truc où ils font deux années de mauvaise de play de suite et après, ils passent le cap, quoi. Wow, on verra. Wow, 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 wow. En tout cas, comme le dit Alex, il a déjà répété par le passé, attention, les fenêtres de tir, c'est très, très court. C'est la fenêtre de tir des Suns, c'est là, là. C'est 12 mois, 13. Euh, une saison, là. Hein. On ouais. hein. Et puis après, on, on verra. Euh... Et Warriors, on en parle ou pas On va passer du côté de Golden State. Évidemment, on laisse Stéphane Lessens nous dire ce qu'il pense de tout ça. Golden State, éliminé 4-2 face aux Lakers. Comme on a parlé dans la preview Denver-Los Angeles, match très discret de LeBron pour finir la série. Tranquille. 30 points, 9 rebonds, 9 passes. 4 points dire. Voilà. Des jambes de gamin. Des jambes de petit cabri. I am inevitable, comme dirait <laughs> l'autre grand violet. C'est un fou furieux l'autre. Incroyable fin de série. Euh, série Passionnante, mais Golden State s'incline et quelque part, on avait deux discours. Le premier, c'était Ok, Golden State a passé l'obstacle Sacramento, ils se sont bien testés, mais là, pff, ils ont réussi, eh, ça a déroulé sur le tour suivant. Ou alors, ils ont eu besoin de cette match pour battre non, les Kings ouais. Bah, ouais, non. Ouais. Moi, ça va être trop dur. Enfin, pour le, le coup, les Warriors, sincèrement, comme le dit Clay Thompson, moi je suis d'accord avec Clay Thompson là-dessus, ils voilà. sont exactement là où ils doivent être et là où ils voulaient être. C'est quoi ça Désolé. <laughs> que Clay Thompson, on l'a vu en février quand ça allait mal, il a dit non mais on est là où on veut être, on est en position ah d'être oui, champion ouais, ouais. et tout. Moi je trouvais que ça faisait très méthode coué et ça s'est confirmé. Ça <laughs> faisait très lui. méthode coué. Surtout lui, son Game 6, oh. le pauvre. Après il fait pas des si mauvais playoffs que ça, mais son Game 6 est affreux. Hein. Euh, mais... Toutes les, les questions qu'il faut se poser, c'est que là, il y a un vrai côté fin de cycle. Je crois que c'est assez indéniable. Euh, C'est-à-dire Un côté fin de cycle. Bah, euh, genre, là, on commence à se poser des questions. Genre, est-ce que Clay Thompson pourra redevenir vraiment l'arrière, le shooter Oui. Le shooter qui défend super bien, comme hein. on l'a connu Non. C'est compliqué, je pense, tu vois. Ok, on peut comprendre. Hein, deux ans de blessure, machin et tout. On se pose des questions. Genre, il y a des interrogations sur le niveau. Un peu descendant de Draymond Green, un mm -hmm. peu, vite fait, où on se dit ah il pèse plus autant qu'avant. Puis du coup le fait qu'il soit un non shooter, ça commence à vraiment être un sujet pour jouer et tout machin. C'est exploité par les autres équipes, dire que les, les Warriors deviennent une équipe que tu peux, dont tu peux exploiter l'attaque. Normalement ça n'existe pas cette phrase, ouais. tu vois. Voilà le niveau réel auquel Jordan Poole peut vraiment prétendre. On se pose des questions parce que l'année dernière, il nous a bluffé en début de playoff, puis il a fait pas mal de bons matchs. Là, putain, il fait des playoffs, mais nul, 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 nul. 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 Il y a euh, potentiellement Bob Meyers qui s'en va. Mm -hmm. Donc, dis donc, ça commence à faire... Euh... Moi, je trouve que là, ça m'en fait déjà assez pour dire, bon, est-ce qu'on n'est pas sur quand même une fin de cycle, je trouve, perso. En ah, tout à fait. C'est juste que j'ai ne sais plus comment vous avez formulé la phrase, mais c'était, bon, bah, on est sur une fin de cycle. Et moi, bon, je suis d'accord pour entretenir la question de, est-ce qu'on est sur une fin de cycle ou pas je sais pas si ça se trouve, les mecs qui vont dire run it back, on est les Beatles, on y retourne tous ensemble, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est vrai que tu as un sentiment d'insécurité plus que tu en as eu par le passé. C'est clair. Il y a les salaires qui viennent mmh. là-dedans. Ah oh bah là, le pauvre. La luxurie euh, Joe Jacob, il a vu le nouveau CBA, il a fait. Et il a fait, attendez, euh, moi je paye tout ça pour aller en demi-de-conf Euh. Attendez, attendez, attendez. Ah. Tu vois Ouais. Ah, j'ai payé x15 maintenant la taxe Ouais, voilà, donc c'est un peu compliqué. Euh, donc ça, ça fait beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que. Les Warriors, champions en titre, régulière, vraiment, vraiment très irrégulière et décevante. Aucune dynamique vraiment trouvée, à part en toute fin de régulière. On en avait parlé avant le premier tour contre les Kings. Ils ont appuyé sur on-off, comme on dit. Ouais, bah voilà. Encore une preuve que le bouton on-off, euh, bah, il est dur à trouver. Euh, les Warriors eux-mêmes ne l'ont pas trouvé. Ils ont passé les Kings. Ils sont tombés sur des Lakers plus expérimentés que les Kings et surtout beaucoup mieux organisés en défense. Et avec Anthony Davis, qui est un réel sujet pour les, pour les, les Warriors, qui maintenant, avec leur small ball, euh, voilà, le, là, le rôle de Draymond Green, en small ball, il peut plus vraiment le tenir. Mmh. Il peut plus trop, c'est compliqué, tu vois, il ne peut plus comme il y a 3, 4, mmh. 5 ans, quoi. Et, et ils sont tombés là-dessus, sur un vrai hausse, où ils ont été menés 3-1, puis ils ont perdu la série 4-2, enfin, honnêtement. On ouais, a bien. eu un sentiment de. Les Lakers ont maîtrisé, dominé cette série. Ils l'ont emmenée là où ils voulaient l'emmener et ils l'ont conclu à domicile avec du gros Eddie et du gros LeBron. Et des role players qui font le taf. Ouais. Pendant que Steph Curry était moins étincelant que la série d'avant. Pendant que Clay Thompson. Euh, C'était compliqué quand même, notamment son Game 6, la Game 6 Clay. Euh, mmh. C'était compliqué. Jordan Poole, bon ben bah voilà, je l'ai dit, ça va pas du tout. Est-ce que tu crois que la patate de début de saison de, de saison là, la patate de Draymond Green dans la bouche de Jordan Poole est-ce que tu crois que elle a vraiment des, 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 de sales effets comme ça dans la elle continuité il n'y a pas que ça évidemment hein, mais j'y pense là, parce que je viens de dire Draymond Green et Jordan Poole dans la même phrase elle a indéniablement contribué il n'y a aucun univers dans lequel mais même dans n'importe dans quelle boîte, à n'importe quelle taf, dans n'importe quelle ligue, dans n'importe quelle compétition, dans n'importe quelle discipline de se dire on va arriver à un objectif et euh, non mais t'inquiète, dès le mois de septembre juste après, le, juste après la petite réunion tous ensemble, il y, y a une droite qui part euh, oui tu peux te serrer les coudes, te dire Kumbaya les gars on va y arriver, c'est obligé que ça ressorte à un moment ou un autre et c'est confirmé, Ramona Shelburne a sorti un papier, ils ont tous dit voilà tu ils ont essayé de, de bien paraître devant les caméras vas-y je vais te faire jouer, je te pose l'écran, je t'aide à te relever etc mais on parle d'un coéquipier qui, qui met une gouache à un, une gouache, un autre attends, attends. Il met une gouache c'est évident. Trop de choses se sont accumulées. Oui, il y a la patate. Oui, il y a aussi, euh, comme vous pouvez le voir, la difficulté de réaliser un back-to-back. -back. Et alors, il y a déjà un back-to-back, -back, mais il y a un back-to-back -back quand ça fait déjà 8 ans que tu joues euh, jusqu'en en fait mai-juin. Tout à fait, et que tu es habitué à jouer en mai-juin. Le kilométrage commence à être long. Tout à fait. Les jeunes ne sont pas encore assez mûrs. Donc ça veut dire que toute la clique Moody, Kuminga Ils sont et pas compagnie... en plus et Et ils ils sont voudraient pas... jouer plus. Et Kuminga aimerait jouer un peu plus parce que la série de était pas mal. Donc, moi j'ai l'impression que il y a toute une baie à San Francisco qui essaye déjà de savoir qu'est-ce qui va se passer avec Bob Myers. Et je trouve que Adrian Wojnarowski l'a assez bien résumé. C'est Bob Myers qui dit donc qui a la direction des Warriors pour ceux qui l'ont pas, hein. qui est sous Joe mais qui est au-dessus de Steve de C'est Bob Myers qui prend quelques semaines pour réfléchir. Pour ouais. voir qu est, qu est -ce que, va, que va donner la suite, qui est dragué dans tous les sens parce que Bob ah, Mayer. À il, a fait travail, hein. il peut avoir n'importe quelle taf de GM. Le mec, Attends, en 108 ans, ce qu'il a fait, c'est <laughs> historique. Le mec a créé une dynastie, pas de problème. Vous avez quoi sur votre CV Ah, vous avez 4 titres Ah non, vous avez changé ah, la vie Ah, c'est mal. Allez, c'est bien. Ouais, bien. Ouais, non, ouais. <laughs> Il y a des ligues qui sont sortis au mois de mars en termes de défense professionnelle. Ah ouais. Alors. <laughs> Alors, slide 1. <laughs> slide 2. Euh, ça c'est le titre de 2015. Ah, je... euh, non, non, mais Bob, Bob Myers est le premier domino qui, 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 qui décide de la suite pour moi. Si Bob Myers reste, à mon avis, il y a des joueurs qui vont dire, run it back, on y retourne. Steph, Clay, Draymond va dire, c'est avec lui que je veux prolonger cet été, c'est avec lui que ça doit se passer. Si Bob Myers ne reste pas... Là oui, là je te rejoins et je vais dire fin de cycle. Parce que le gros domino tombe. Demandez à Santonio là depuis RC Buford ce qui se passe. Draymond ne négocie plus avec Bob Myers, il négocie avec Joe Lacob plus 1. Alors là c'est plus compliqué. Trop compliqué. Il faut aussi s'occuper de Clay Thompson. Bob Myers a toutes les ficelles et c'est lui qui permet à ce chaos de rester toujours aussi stable. Donc moi j'attends cette news puisque tellement d'autres parce que Steph est sous contrat, Steve Kerr a plutôt prévu de rester le coach même s'il gère Team USA notamment, il le fera cet été et l'été suivant mais je pense que ça démarre avant tout de Bob Myers, parce que si ça se trouve Bob Myers il va dire ok vous savez quoi, on a fonctionné de manière intelligente j'ai été récupéré Gary Payton a... enfin, c'est un mea culpa public ce qu'a fait ouais, euh, à la deadline ouais. Bob Myers écoutez je me suis gouré sur Otto Porter Jr et Gary Payton 2, je récupère Gary Payton 2 voilà basta, voilà, je l'ai laissé partir mais c'était bien avec Dante Vincenzo, on a essayé mais j'ai y a d'autres où ça n'a pas trop marché c'est lui, si ça se trouve, qui va dire Ok, les gars, je vais prendre ma responsabilité et je vais dire publiquement Désolé, on ne peut pas faire avec Jordan Poole. On lui a donné le contrat parce que c'était mérité, parce que en termes de RP, on ne pouvait pas, en sortie de champagne, ne rien donner à ce mec, surtout quand il a été en playoff. Il play a pris une patate. Et après, il a eu son contrat. Alors, il a pris 140 patates. Et et il a, pris... a bu du champagne, <laughs> il a pris une patate et après, Tout il, a, il a pris son contrat. Il a pris une patate et 100 patates. Ouais. Comment dit. <laughs> parce euh... que, juste, tu vois, oui. tu parles de Jordan Poole, c'est marrant. Jordan Poole, là, sur ses playoffs, mm -hmm. il a joué 13 matchs, dont quatre titulaires. D'accord Il a mis 10 points par match. À 34% au tir, 25% de loin. Euh, pardon, mais c'est un petit peu compliqué quand même, non Oui. Moi. Et c'est là tout le challenge, c'est que Jordan Poole, c'est fait... le... On ne pouvait pas le faire jouer, hein, surtout. Non, tout à fait. Et c'est là que c'est difficile parce que Jordan Poole, comme tu l'as très bien dit, il faut savoir ah, quel est son niveau réel parce que... C'est une question quand même. Hein. Tout à fait parce que l'identité et l'étiquette qu'il avait c'était je suis la transition entre une génération et une autre. C'est ça. Donc c'était parfait, il était formé par Steph, par Clay, il allait être très bien Il ça allait partir. Mais là, as l'impression qu'il a été il a été formé par Jordan Farmer et Lou Williams. <laughs> Donc il euh, y a eu un moment où on s'est dit, ah yes, oh, trop bien, oh, c'est le backup. Idéal derrière Curry et Clay Thompson. Bah ouais, mais. Bon, ok, il est un peu juste en défense, mais bon, en attaque, il met des sauces tellement ouf et tout. Là, il met plus les sauces en attaque, il est toujours aussi nul en défense. Hein. Là, je veux dire, là, Steve Kerr. Non, là, c'est trop. était rude. notamment déjà contre les Kings, et ensuite, ça s'est encore plus vu contre les Lakers. Steve Kerr était en galère pour mettre Jordan Poole sur le terrain. Oh. Putain. Donc, il y a des messages qui vont se transmettre d'eux-mêmes. Igo Dola va prendre sa retraite, je pense. C'est si, c'est fait ça. Oh, voilà, ça, c'est fait. fait. ça euh, 39 ans, l'âge voilà. de l'ébran en gros classique voilà. euh, Jordan... deux ans qu il qui peut plus jouer <laughs> deux ans qu il traîne. Jordan Poole on va voir son dossier j'ai l'impression qu'il y a une situation à devoir régler avec Jordan Poole mais je ne pensais pas mais j'ai l'impression que si Bob Myers reste, ce que j'appelle le Fab 5 reste, Bob Myers, Steve Kerr Draymond, Clay et Curry je pense qu'ils ont conscience qu'ils peuvent faire quelque chose de vraiment légendaire ils sont déjà un hein, historiques hein. mais ils peuvent faire un truc énormissime et t'étais quand même en demi quoi en ayant fait une saison régulière pareille tu ouais, vois. Ouais ouais et puis et puis surtout genre on a vu aussi autre chose sur ces playoffs, c'est que Steph Curry à 35 ans, tout pff, va bien. Il peut encore largement jouer au basket. Je crois. Un... Moi limite je te dis j'ai beaucoup plus de, de, de crainte. Draymond, il m'a fait un peu peur sur plusieurs matchs, mais je me dis ouais, mais lui il peut peut-être... C'est Clay. Clay... Je, première je... saison complète depuis, son, depuis sa blessure et pourtant je crois que c'est le mec qui a mis le plus de trois points de toute la NBA cette saison. Ouais, non mais les trois points c'est sûr, il va en mettre plein. Mais défensivement, euh, ouais. ah ça a été compliqué en défense pour lui là. Claire. Et tu peux pas enfin euh, je veux dire Curry a besoin d'un vrai 3 and ouais. à côté de lui dans le dans le ouais. c'est obligé quoi. Bien sûr, bien sûr. Un vrai et Clay là ça devient difficile. Donc après attention, ça reste Clay Thompson, il y a plein de trucs à gérer, mais lui non plus c'est plus un petit jeune. Hein. Complètement. Il est plus jeune que Curry, mais il y a quoi 32 33 32. De qui Clay Clay a Clay 33. 33. Tu vois bah. Bien sûr. Euh, le gros sujet en plus en plus de Bob Myers, c'est évidemment tout ce qui est salarial. On l'a fait sur les Suns, ouvrez bien vos oreilles. Ah, bah là, attention. On a 211 millions à peu près de quasi-garantie sur la saison prochaine, sachant qu'il y a 52 millions pour Curry, 43 pour Clay. 24 pour Andrew Higgins. 43 clés. 43 oh, clés. La violence. On a 27 millions en option pour Draymond Green. On va voir s'il fait du clin d'œil avec Bob Myers. Sinon, ça ira ailleurs. Gary Payton de très bien, c'est à 8 millions. Kevin Looney, parfait, c'est à 8 millions. Il y a rien à dire Kuminga est à 6 millions. Dante à 4. Jordan Poole à 28. Ça, Jordan... ça va être un sujet. Hein. Jordan Poole, c'est le troisième meilleur salaire des Warriors. Ce scénario n'a aucun sens. Sauf que là, euh, Jordan Poole... Si tu te tu dis comme tu dis la bonne meilleure se fait son meilleur coup pas ah non ce contrat Jordan Poole ok ouais, a de la valeur oui il a de la valeur sur le marché ouais ah ouais, ouais quand même non non il est enfin là on est à chaud on vient de voir ce qui s'est passé etc mais c'est un mec quand même il est champion NBA enfin adoubé par les Splash Brothers non non il y a des franchises il y a des franchises bien bien connes qui vont se dire lui il va faire le différence maker okay, surtout à 28 millions tu penses pas ah franchement je pense qu'il trouve qu'il s'est fait bien exposer sur deux tours de playoff de suite là Indémiable. Plus que ce que j'aurais cru. Toi, j'aurais vraiment cru que par exemple, il serait se exposé comme ça en attaque par des Diarron Fox ou, ou ou par des Deschrodeurs ou des Diangelo Russell ça, 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 me surprend pas plus que ça, tu vois. Mm -hmm. Putain, mais de l'autre côté du terrain, gros, Drive, il a pris que des pull up à 3 n'importe comment. Enfin, c'était, vraiment nul. Je te pose une question. Vraiment badé, s'il bon te ouais. Je te pose une question et je la pose à tout le monde. Si vous êtes GM, bon, évidemment, là on est à chaud, donc euh, je sens la réponse venir toute faite, mais Tyler Hero ou Jordan Poole Si je te pose la question, c'est parce que je peux te dire que je suis absolument pas étonné si c'est 50-50 dans les managements. Moi, j'ai ma réponse. Mais il y en a qui vont dire Attends, c'est 50-50. Ah, c'est compliqué ce que Tyler Hero, là, en plus, il s'est blessé, on l'a pas trop vu du coup. Yep. Et en fait, le fait qu'on hésite à répondre fait qu'en fait, il a la cote. Parce que Tyler Hero, il a, il a la cote sur le marché. Poole il là. Mec il est champion NBA. Ouais non, je sais pas XF. que tu trouves pas, je pense que tu trouves moins bien qu'il y a un an. Clairement moins bien. Il fallait lui mettre le contrat à ce moment-là. Ah t'as pas le choix. Ah il avait pas le choix. Ah, il avait pris une grosse patate, sinon il serait peut-être même parti presque. Tu vois. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une belle épine dans le pied. Contrat long relativement cher sur un joueur où on se dit Ah c'est un sixième homme et puis bon... Non, euh, ouais, bien est Genre est-ce que vraiment il va faire une carrière à la Lou Williams quoi, tu vois Voilà où on en est. Tout à fait. Gardez Bob Myers Oui obligation absolue oui garder Draymond aussi hein. garder Draymond donc c'est l'un et l'autre je pense que c'est un package c'est important hein, de ouais. garder Draymond on se rend euh... pas compte hein. moi j'ai vu des mecs oui Draymond et oh, tout c'est bon tu mets Pj Tucker euh, non, non mais il est vous vous rendez pas compte hein. <laughs> il a encore fait une saison de malade mais c'est pas en attaque c'est est quand même encore all defensive hein. et c'est les poumons les couilles tout de, de, de la franchise si tu trades Jordan Poole allons-y faisons pour finir du, du, de la méga fantasy tu vas aller chercher quoi comme profil ou alors tu, tu pars dans un autre délire et c'est Clay Thompson et Draymond qui dégagent et tu reconstruis avec Jordan, Poole Wiggins et trucs What comme ça. Non, c'est pas possible. Ça, no. ça c'est dans le cas où Mayer euh, s'en va peut-être, le nouveau GM. Mm -hmm. Tu vois qui se dit ok, je m'en fous moi, pour moi le cycle est fini. Allez, on y va. On casse. Ah, la violence pour Steph. ah bah oui, mais... Allez, on pas trader Steph Curry, hein Enfin après. Ah Il ouais. ah, y a plus d'un con qui a transféré sa légende, hein Ouh là là. Ouais, 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 mais tu vois si Bob Meyer se fait virer, imagine. Imagine. Mmh. Bob May pas viré, mais je veux dire, il ne reste pas, hein, parce qu'il va pas se faire virer. Non, il ne va pas se faire virer. Il Bob ce ne reste pas. Un nouveau GM arrive. Le mec fait l'état des lieux, des contrats, des âges et tout. Le mec se dit non, mais c'est bon, je ne suis pas Bob meilleur moi je pas construit ce cycle. Pour moi ce cycle, il est fini. Donc allons-y, démembrons le truc pendant qu'il en est encore temps, récupérons des assets pour essayer de reconstruire au plus vite. <laughs> Qui quand tu mets ça le marcher en premier ah, Jordan Poole. Qui a le plus de valeur Steph. <laughs> Est-ce que cette question. Bah, un Louné. Non, mais quand tu... souvent, quand t'es en reconstruction et que tu te dis Ok, on y va. Non, mais attends, t'es en train de les mettre en PLS, t'as sorti le mot reconstruction en... en plein apéro Warriors, ils viennent de sortir en demi des playoffs. Non, bien sûr, c'est <laughs> pas, <c 'est> pas <laughs> encore mais une reconstruction. Quoi mais non, non, je rebondissais sur le côté genre, si Bob Meyer se casse. Moi, si BOM meilleur se casse, je dis que ça peut vite partir en vrille et en reconstruction, en reconstruction semi-reconstruction. Je pense pas que c'est une équipe qui va faire bottom bottom à la Spurs là, tu vois. Non, je pense pas. Non, je, je pense pas non, vraiment. Non plus. Mais tu vois le semi-reconstruction, le truc où tu te dis ok, euh, genre bah, je sais pas, faut faut péter le truc et repart, essayer de repartir. Genre euh, qui a fait ça, le Jazz? Phoenix. <laughs> Phoenix. Phoenix, on a bien fait bottom quand même <laughs> Phoenix bien fait bottom. on a fait un bon gros bottom euh, hein. Je non, bon, on va voir mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que oui Bob Myers tient pas mal les clés de ce, de ce bousin que après à partir du moment où il y a Steph et Steve Kerr qui sont là il y a quand même, tu, tu, tu dors sur tes deux oreilles en termes de stabilité de franchise et que si au bout d'un an tu te rends compte que il y a la free agency de Clay Thompson et 2024, et qu'en fait, ouh, prolongation, en pas ça, pas ça. tu vas pas le payer à ce prix-là combien de temps Non, mais c'est pour ça qu'on va voir aussi les garçons, comment est-ce qu'ils se présentent. C'est que si tu es en prolongation derrière un titre, voilà ce que ça donne. On a vu, il y en a certains qui ont pris des gros tarots. Si tu te retrouves aussi après une saison ou deux, où en fait, Steph prend l'argent parce que c'est normal, mais où Clay. Bon bah en fait Clay, euh, oui j'aime bien, t'as une légende etc. Mais tu veux qu'on fonce dans le mur ou t'es prêt à faire des, des gestes Et ces gars-là ont montré par le passé qu'ils pouvaient faire des gestes. Peut-être que d'ailleurs t'as raison, peut-être que c'est Joe Lacob aussi un hein, moment qui va faire oh, ⁇ oh, oh Il est gentil Clay Thompson, mais euh, il est gentil de Raymond Green, mais non !⁇ Non Pas là Pas ce coup-ci. Peut-être aussi hein. Et à ce moment là ça tombera sur le Lacob Ce serait pas la première fois non, aussi non, que ce serait un proprio qui dirait ⁇ Hop 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 Doucement les gars !⁇ fait, tout à fait. Okay. Ça va être simple. un gros gros été. Ça promet des belles perspectives à Phoenix et à Golden State. Hein. On, voilà. on rigole bien là. Ouais. Hein. On est bien là. Très très <laughs> hâte des 30 prévues en 30 jours. Dites-nous, fans de la Dub Nation et de l'Arizona, ce que vous pensez de cette sortie et, et de que ce que vous qui vous feriez. cet été. Mmh. Cet été, exactement, qu'est-ce que vous feriez N'hésitez pas à aller dans la descro pour voir les poteaux de Rhinoshield. On fait des bisous. On se retrouve très vite. Ciao. Sur A ce soir, une heure et demie sur Twitch. Exactement. Ciao. Ciao.